Je travaille à Auxerra, qui est un cabinet de conseil en économie. On accompagne les entreprises qui ont des problèmes avec les autorités de la concurrence et on les aide à développer des arguments économiques face à ces autorités ou face à d'autres entreprises qui eux-mêmes ont embauché des économistes contre nos clients. La TSE était un atout clé pour moi pour décrocher cet emploi. Donc, d'une part, j'ai développé des compétences techniques qui sont valorisées sur le marché du travail et en particulier dans le domaine de l'économie de la concurrence puisque nous sommes leaders dans ce domaine à la TSE. Et d'autre part, le diplôme est de plus en plus reconnu et il y a des dizaines d'anciens dans ces réseaux d'économie de la concurrence, ce qui permet d'avoir une image de marque et de pouvoir décrocher des emplois assez facilement dans ce domaine. Alors moi j'ai fait le master PPD à la TSE et ça peut paraître surprenant que je sois maintenant dans le domaine de l'économie de la concurrence. Mais en fait, le master PPD m'a permis d'avoir une expérience pratique de l'analyse des données. On fait beaucoup de statistiques appliquées, d'économétrie appliquée. Donc ça a été un vrai plus pour moi de faire ce master. Je suis arrivé, je savais déjà utiliser les logiciels, je savais déjà répondre aux questions économétriques, aux questions de mesure qu'on se pose dans notre quotidien. Le conseil que je donnerais aux étudiants de la TSE, c'est d'être d'une part consciencieux, et ils le sont souvent, et d'autre part, c'est d'avoir foi dans leurs compétences et d'être sûr d'eux parce qu'ils ont appris des choses très intéressantes et des compétences très utiles sur le marché du travail.